Liturgie nous donne ces lectures pour méditer sur l'événement du martyr de Lyon. Et nous avons eu en premier lieu le livre de la sagesse. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, ils sont dans la paix. Très étonnant pour, je dirais, une célébration du martyr. De nous dire que les martyrs étaient dans la paix, ça paraît tellement contradictoire avec ce qu'a été leur martyr, qui a été d'une violence incroyable, avec des vociférations, des tortures. Et donc, pourquoi l'Église nous donne cette lecture ? Peut-être pour nous dire ce qu'il y avait dans le cœur de ces martyrs. Et ce n'est pas simplement une extrapolation. Hein, on sait que Sainte Blandine, lorsqu'elle arrive dans l'arène, se met à chanter. Et elle entre dans l'arène comme si elle entrait dans des noces. Donc il y a une expérience extrêmement puissante de paix intérieure. Et de joie. Et donc, la liturgie nous invite à entrer dans ce qu'il y avait dans le cœur de Blandine, de Potin, hein, de tous ces martyrs, ceux qui ont été jusqu'au bout. Peut-être que tous n'avaient pas psychologiquement une paix apparente. Mais le simple fait de leur martyr et qu'ils y aient consenti manifeste qu'il y avait en eux cette conscience qu'ils étaient dans la main de Dieu. Et c'est ça d'abord que l'Église veut nous inviter à vivre. Oui, apprenons petit à petit à avoir cette présence au fait que Dieu est avec nous, que nous sommes dans sa main. Et que nous avons à apprendre petit à petit cette paix du cœur, qui vient du fait que nous sommes dans la main de Dieu. Tous les événements, même les plus tragiques qui puissent nous arriver, sont dans la main de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est source du mal et des événements tragiques en tant que tels. Mais par contre, tout est dans sa main. Donc tout ce que nous vivons, il en fait quelque chose de bon. Il en fait une source de vie. Et c'est pour ça que le psaume qui suit a cette force, hein, le psaume 33, hein, qui est un psaume magnifique. « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.
heureux qui trouve en lui son refuge. Oui, de s'être mis dans les mains de Dieu, d'avoir trouvé en Dieu son refuge, a fait que l'âme des martyrs était dans la louange, en bénissant Dieu. C'est une expérience spirituelle de louange, en fait. Le martyr est une action de grâce. Elle est comme le mystère de Jésus à la croix. Le mystère de Jésus à la croix que nous célébrons à chaque messe est appelé une eucharistie, une action de grâce. Le Christ, en mourant à la croix, rend au Père dans l'amour tout ce qu'il a reçu. Et c'est comme ça qu'il nous sauve. Nous avons été sauvés par l'action de grâce du Christ. Et c'est ce que nous célébrons à chaque messe. Pour ça que la préface qui nous introduit à la prière eucharistique commence par une bénédiction. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, c'est pour rentrer dans l'action de grâce du Christ que nous célébrons chaque jour la messe. Cette action de grâce qu'il a vécue à la croix et qui nous a sauvés. Eh bien, ce sommet qu'est le martyr est aussi une action de grâce, une bénédiction de Dieu qui est source de vie pour l'Église. Et cette action de grâce, cette bénédiction nous est donnée, nous sommes invités à entrer dans l'action de grâce de Blandine et de Potin, de tous ces martyrs, pour que nous entrions dedans et que ça soit notre vie. Que notre vie soit cette action de grâce de Jésus qui se tourne vers le Père à la croix, hein, et qui lui rend tout dans l'amour. La troisième lecture nous parle du livre de l'Apocalypse. « Ceux-là ont blanchi leur robe par le sang de l'agneau. » Et ça, c'est nous. C'est nous, c'est tous ces chrétiens qui ont mis leur espérance non pas dans ce qu'ils pouvaient faire de bien ou éviter le mal, mais premièrement dans le fait qu'ils sont sauvés par le sang de l'agneau. Et c'est ça qui a été la force des martyrs. Ils n'ont pu tenir que parce qu'ils étaient rentrés dans la victoire de Jésus. Ils ont combattu comme étant victorieux avec le Christ. Et c'est le sang de l'agneau qui a blanchi leur cœur, qui les a rendus purs, capables d'aller jusqu'au bout. Donc demandons au Seigneur de pouvoir entrer dans ce mystère qui a abondé dans le cœur des martyrs de Lyon et qui a été source pour notre diocèse. Et pour en fait même la Gaule de l'époque, c'est-à-dire la France de l'époque, a été source d'une vie étonnante. Ils ont non seulement souffert le martyre, mais ils en ont fait une action de grâce. Et ça a été un témoignage que Dieu est plus fort. Il est plus fort, non pas dans la violence, mais dans l'amour. Il est plus fort dans le sens où tout ce que les hommes peuvent faire n'arrive pas à toucher le cœur profond de ceux qui sont devenus des amis de Dieu. Et donc c'est une invitation à entrer dans cette force qui dépasse même la mort et qui fait entrer dans la vie éternelle. C'est cela que l'Église nous invite à vivre à la suite de Saint Potin et Sainte Blandine pour que nous soyons à la suite du Christ, à la suite de ces martyrs, nous aussi une action de grâce pour Dieu, et que l'offrande que nous faisons de nous-mêmes dans le Christ puisse à son tour être source pour notre pays, pour nos pays, source pour tous ceux que nous aimons et pour tous les hommes qui nous sont confiés.